Salut à tous, vidéo cadeau de Noël. Je vous avais dit dans le vlog précédent que j'allais vous montrer ce que j'avais eu. Au début, je pensais le faire sous forme de vlog et j'ai voulu revenir à un format un petit peu plus classique, format face cam. Vu que j'ai quand même enchaîné tous les vlogmas, et ben ça fait du bien de revenir à un petit format classique. J'ai gardé les lunettes, hein, de vue. En général, je ne les mets pas pour ce genre de vidéo. Mais c'est ainsi, c'est pas plus mal parce qu'en plus, il y a les petites cernasses. Je vous disais donc que j'ai été vraiment très très gâtée. Il y a des choses que j'ai eues qui ne sont pas là parce que c'est un petit peu lourd, donc je vous montrerai hein, durant la vidéo. Je vous mettrai en situation. Petit aparté rapide pour ceux qui m'auront suivi de façon assidue tout le long de ce mois de décembre avec les vlogmas. Merci beaucoup d'avoir été présent pour moi, d'avoir regardé, d'avoir interagi. C'était vraiment un très très chouette moment, mais ça veut pas dire que j'arrête les vlogs, ben non, vous le savez, je continue, même si c'est plus masse, c'est vlog quand même, et quotidien, daily, daily. Je vais donc commencer avec les petits cadeaux de Noël, donc ça vous l'avez certainement vu, c'était un cadeau de table, hein. Ma maman a des petites traditions de Noël, elle aime bien mettre un petit cadeau dans les assiettes de chaque invité. J'ai donc eu... C'est un diffuseur Mathilde M. Qu'est-ce que c'est beau, diffuseur de parfum d'ambiance. Je ne connais même pas la fragrance. Rien que le sac, ça le fait quoi. Donc on a un petit flacon hyper joli. Les diffuseurs bâtonnets bois. On met dedans, on a le petit canet. Rien que l'objet en lui-même, tu le poses, qu'est-ce que c'est joli. Ensuite, et je suis hyper contente, on me connaît bien surtout. Filorga, excellente marque si vous ne connaissez pas. C'est super, donc c'est des marques qu'on trouve très souvent dans les parapharmacies, mais aussi, est-ce qu'on les trouve chez Sephora? C'est possible, aussi que ce soit chez Sephora, donc c'est quand même une belle gamme, là on est sur du beau produit. Donc laboratoire Filorga Paris, et j'ai les soins regard multicorrection suprême, rides, cernes, poche, fermeté, éclat, très beau format de, je vais regarder, la boîte est carrée. Et donc la contenance 15 ml. L'antivol, les gars, l'antivol. J'ai également eu, donc on reste dans tout ce qui est make-up cosmétique, un rouge à lèvres, Hot Lips de Charlotte Tilbury. Et là, je suis un peu deg parce que le seul rouge à lèvres Charlotte Tilbury que je me suis acheté de la collection, et ben c'est celui-là. Je l'ai en double et il est plein. Donc je suis un peu dégoûtée. Regardez-moi cette beauté. Donc la personne qui me l'a offert me connaît parfaitement. Parce qu'évidemment, c'est une teinte que j'aime beaucoup. C'est un rose un peu tendre. Dance Floor Princesse. Et voilà. Bon, ben ça c'est le petit moment un peu dommage. Mais je vais voir, je vais me débrouiller. Ensuite, j'ai reçu ceci. Ça vient de chez Zodio. Ouais, c'est ça. Il y avait le papier Zodio. Qu'est-ce que c'est beau. Un élément décoratif. C'est des petites jarres, fioles en verre dans lesquelles on met des fleurs, des tiges, du feuillage, du bois. C'est très joli. Et le support est en bois. J'adore ce type de déco. Je ne sais pas encore dans quel pied je vais le mettre. C'est fort probable que ce soit dans mon étagère marron d'ailleurs. Ça sera très très bien. Et j'ai hâte de mettre dedans, de disposer les petites feuilles, les petites tiges. Bon, je vous dis, j'ai été vraiment gâtée. Hein. Ensuite, j'ai eu un sac à main. Donc, je l'ai choisi. Hein. Attention, ça fait du bruit. C'est chez San Marina. Voilà, c'est un sac qui vient de chez San Marina. Le modèle est magnifique. Enfin, en tout cas, me plaît beaucoup. Je l'ai essayé en boutique. J'avais mon manteau un peu rouge que j'ai eu chez H&M. Ça matchait très bien. Ça s'accorde avec pas mal de manteaux, de pulls. L'avantage, c'est qu'on peut soit le mettre comme ça, sur l'épaule, mais on peut également le mettre tout du long. Et moi, ça sera plutôt comme ça. Les franges, il est bordeaux rouge. Il a un format très bien. En plus, j'ai regardé, je peux mettre ma perche discrètement, vu que je vlog quasiment tous les jours. C'est un modèle qui est ravissant. On a du daim, on a du cuir, on a des petits smokes. Enfin bon, j'aime énormément ce sac à main. Et vous me verrez, je pense, prochainement avec. On continue. Bon, alors, j'assume complètement mon côté doudou, mignon. Regarde ce que j'ai eu. Si je vous montre ça, vous allez trouver. Il s'agit d'un doudou trop mignon de collection. Qu'est-ce que c'est beau, j'adore les doudous. J'en ai pas, hein. Mais la personne qui me l'a pris me connaît.
et a également craqué dessus. Donc il ne suffit pas d'être un nouveau-né, d'être un enfant pour recevoir ce genre de choses. C'est un lapin tout doux qui très certainement va rester dans sa boîte et que je mettrai pareil en décoration. Qu'il est beau ce petit lapinou! Et les boîtes aussi. Et celui-ci, il venait de chez Jouet Club. Ensuite, on passe à une pièce maîtresse. Mon miroir, si vous me suivez, vous le savez. Donc, il s'agit d'un miroir de chez Maison du Monde. C'est le modèle conservatoire qui est très doré. Donc, c'est une pièce assez lourde, hein, même visuellement. J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça donne du cachet à la pièce. Je vous montre. Allez, c'est parti. Donc, je le porte pas, hein, je le prends pas avec moi, on est d'accord. Je vous montre le rendu. Dans cette pièce, je trouve que ça passe parfaitement. Normalement, c'est le miroir blanc qui est derrière moi, là, au moment où je vous parle. J'ai changé. C'est pas dit, hein, que ça reste ici. J'hésite encore, je vous disais, à le mettre quand tu rentres dans mon bureau ou bien le mettre en bas. J'en sais rien. De toute façon, je l'ai. Maintenant, je peux faire ce que je veux, même si c'est très lourd, hein, donc à bouger. Et vous avez vu en haut, au niveau de la couronne, l'ornement. J'ai toujours voulu avoir un miroir comme ça. Et c'est chose faite. Je suis tellement contente. Voilà, c'est celui-là que je vous disais. C'est celui qui était normalement à l'autre place. Magnifique miroir. Je suis trop contente. Ensuite, j'ai reçu ceci. Enfin, nous avons reçu celui-là, c'est pour nous deux. Un appareil à hot dog. C'est drôle parce que j'en avais pris un la dernière fois chez Jiffy. Et je m'étais un peu plantée. Je l'avais ramené parce que je disais, oh, ça marche pas. Et en fait, il fallait mettre de l'eau dedans, forcément, pour que ça fasse vapeur. Mais j'avais, bon, bref. En fait, il marchait très bien. Je l'avais rendu et j'en avais pas repris. Parce qu'on en voulait un. Enfin, surtout Eric, hein. Je crois qu'il est fan d'hot dog. Donc, nous avons la petite machine à hot dog. Il n'y a plus qu'à acheter le pain, la moutarde, bah, les saucisses, évidemment. Ça aussi, je vous montrerai peut-être dans un prochain vlog des petites recettes, même si pas 15 000 recettes pour faire des hot dogs. Ensuite, j'ai reçu un livre. Je lis beaucoup, beaucoup le soir. Hein. Enfin, d'ailleurs, je lis que le soir avant de m'endormir, surtout en ce moment. Mais j'aime pas recevoir des livres. Je m'explique. J'aime choisir mon livre, c'est-à-dire en lisant le résumé derrière, soit la visuelle qui m'accroche. Mais j'aime que ça vienne de moi et que ce soit par coup de cœur que j'agisse. La personne qui me l'a acheté me connaît très bien, connaît mes goûts en tout ce qui est littérature. Donc en ce moment, je suis vraiment dans tout ce qui est thriller, polar, enquête. C'est le genre de livre que j'aurais pu moi-même acheter. Donc Bernard Minier, je ne connais pas. Je ne connais pas cet auteur. C'est fou parce qu'apparemment, il fait partie des 10 meilleurs bouquins. C'est le facteur qui passe. Le bord de l'abîme, donc thriller. Gros pavé, j'ai hâte de me mettre dedans, même si j'en ai acheté un entre temps, donc je vais mettre plus de temps. Mais voilà pour le gros bouquin. Et j'ai bien évidemment reçu également ma chaise de gamer qui se trouve dans mon bureau. Je ne suis absolument pas, pour ceux qui me connaissent, qui me découvrent comme maintenant, je ne suis absolument pas une gameuse. C'est juste que les chaises de gamer sont les meilleures chaises en termes de confort, ergonomie. Et moi, vu que je fais, je vous dis, 6, 7 heures, 8 heures de montage vidéo, à un moment donné, ça me revient beaucoup plus cher d'aller chez l'ostéo, même si elle coûte cher cette chaise. Donc, il y a vraiment tout pour que ma nuque ne soit pas ballottée, soit bien maintenue au niveau du rein, des reins également. Voilà pour cette édition cadeau de Noël 2019. Je vous l'avais dit, hein, j'ai été vraiment énormément gâtée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère surtout que vous avez passé un excellent réveillon, que vous avez vous aussi été très gâtés. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche parce que bah, pour ne pas louper mes parutions, et on continue bien évidemment à travers les prochains vlogs à être ensemble. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à demain ou après-demain pour un nouveau vlog. Salut !